Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est pas de nommer les bienvenus dans l'épisode 209 de notre Let's Play Dragon Quest Builders 2. J'espère que vous allez bien les amis. Dans les derniers épisodes, nous avions fait au step azuré une salle que j'avais appelée une salle à perte d'ailleurs, qui est juste là. Et du coup cette salle à perte, bah elle me sert en fait tout simplement de faire des salles que je reproduirai peut-être pas. En fait voilà, c'est des salles que je ne compte pas garder, donc bah voilà, c'est une salle à perte, elle sera détruite à la fin. Est-ce que je ferai quelque chose après à la place? Je sais pas, mais pour l'instant c'est une salle à perte. Il me reste encore quelques salles à faire et j'avais dit dans le dernier épisode que aujourd'hui on allait s'atteler à faire les jardins qui nous restent. Il faut que je finisse de faire ce petit endroit. Là on avait fait la bibliothèque, excusez-moi j'ai eu un freeze, la bibliothèque du coup. Et ici, alors pourquoi j'ai eu un freeze d'ailleurs, c'est une très bonne question. J'en ai aucune idée, je dois avoir un truc qui est ouvert en trop. Voilà. C'est bon. Alors ça m'enlève. Et du coup voilà, on avait fait nos salles ici. Ici il faut que je termine la sorte de balcon. Il faudra que je mette des toits ici. Il y a les toits qu'il faut que je mette aussi à Verchamp, à au charbon. Et comment ça s'appelle? Et à Ruslune, mais Ruslune, bon c'est un château, donc. On verra peut-être pour Ruslune. Et. Du coup, aujourd'hui, on a dit qu'on faisait le jardin tropical. Donc, déjà, il faut voir si j'ai un what? C'est quoi? Attendez, je viens de voir un truc que je ne. Attendez, objet. Est-ce que c'est ça quoi? Je pense. On me dit. Attention, écoutez bien, que je dois avoir un flotus pour cette salle. Je pense, à la rigueur, savoir ce que c'est. Mais, j'en suis pas du tout sûr. Si je le trouve là, voilà, mais si je l'ai... C'est ça un flotus? Non, ça c'est une bouée. Qu'est-ce qu'un flotus? On va regarder ce qu'est un flotus. Il nous demande des trucs, mais. Ah, j'ai tout débloqué. Alors, du coup, déjà, il me faut un banc simple. Et il va me falloir des rambardes aussi. Parce que c'est un jardin. Et vu que c'est une salle, il faut des rambardes. Peu importe, les barrières en bois ou des rambardes en bois. Bref, un truc. Et il me faut. Du coup, un portillon, donc on va le faire. Alors, un pistil ancien. Il me demande des trucs pour ce jardin tropical, mais je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est quoi? C'est un banc simple? Un banc. On m'a dit un banc simple. Un votilotus, 5 paralyses. Alors, les paralyses, ça va pas être compliqué. Les paralyses, j'ai des graines. Les paralyses, voilà. Donc, il me faut 5. Un banc simple, donc on va faire. En simple. Alors, il me demande des trucs, je sais même pas ce que c'est qu'il faut faire. Déjà, les feux d'artifice en pleine journée, vous êtes sérieux? Oui, c'est dans le jeu, vous en faites pas. On va faire des rambardes en moi en plus. Enfin, des barrières. Là. Voilà. Et on va voir parce que il me demande des trucs. J'ai dit quoi? Un ventilotus et un sagoutier. Alors des ventilotus, j'en ai. Alors,
C'est dans les arbres. Alors, les vents. Ils sont où? Bah. Bon, alors, attendez. Des œufs ferbes. Ils sont feuillage touffu, m'en fous. Moi, il me faut un flotus. Est-ce que j'ai des. Flotus. Un spiraless, c'est pas demandé. Non. J'ai pas de sagoutier par là. J'avais pris des sagoutiers, me semblait-il. Bah non, j'ai même pas de. Ah si, des sagoutiers, je sais où ils sont. Excusez-moi. C'est une rosine. J'ai besoin de rosine? Non. Toi par contre tu dois être un sagou. Eh mince. T'es un sagoutier toi? Ok, donc j'ai un sagoutier. Bon, alors voilà. Ça aussi d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je les ai. Il me faut d'autres trucs. Ça c'est quoi? Une fougère, j'ai pas besoin de fougère. Ventilotus, c'est ça, ok. Et ensuite, il me faut. J'ai le ventilotus. Les fougères, on m'a dit qu'il y en avait pas besoin. Un flotus, c'est quoi un flotus? Vous savez ce que c'est un flotus? Parce que moi, non. En fait, le gars, il a marqué tous les trucs qu'il avait à faire, d'accord? Ça fait 7 minutes qu'il est en train de rec et il sait toujours pas ce qu'il doit avoir. Ça c'est un buisson touffu. Buisson touffu. Ça c'est des palmiers. Bah, ça c'est une rosine du coup. Ouais, rosine. Et les rosines, on en a pas besoin. Donc j'ai pas tout ce qu'il faut, mais c'est pas grave, on s'en balance. Hein. On va faire le jardin tropical ici. De toute façon. Vraiment ça à l'arrache, hein, mais j'en ai rien à faire. Hop, hop, hop. Hop. Mince, il y a du. Il y a du sable. Zut alors. Ça déjà, ça va ici. Désolé pour la vue comme ça. Si ça vous dérange. Enfin, ça me dérange pas. Voilà. Ok, bon, déjà. Il faut que je fasse de la place dans mon inventaire. Bon, déjà, on va faire le jardin. Déjà. On va le faire un peu comme ça, voilà. Hop, et ici, on va faire comme ça. Bon, le sagoutier, il m'en faut qu'un. Tac, voilà. L'entrée, elle sera sur le côté. Là. Hop, hop, voilà. Ça, on va y enlever. Grande salle. On va mettre le sagoutier ici. Voilà. Les graines de paralysis. Alors, les paralysis, on va les mettre 1, 2, 3, 4. Allez, 5. Il m'en faut 5. Voilà. Le banc simple, on va se faire. Le ventilotus, on va le mettre ici. Voilà. On va faire le banc simple. Du coup, vu qu'il me faut un banc. Qui est ici. Voilà, banc simple. Alors pourquoi je fais vraiment un banc simple alors que je pourrais faire un banc, voilà. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une salle où il fallait pas les... Comment ça s'appelle? Là-haut, pour avoir les...
comment, les toilettes pour les femmes et pour les hommes, en fait, il y avait des paravoiles en trop. Voilà, les paravents en trop. Et je n'avais pas enlevé les paravents. Et du coup, la salle n'est pas comptée comme complète parce qu'il y avait des choses en trop. Donc du coup, voilà. Bon, alors déjà, j'ai la salle, j'ai tout ce qu'il faut, ça. Bien, maintenant, il me faut un flotus, un pistilant ciel, et c'est tout. Donc, je vais essayer de trouver ça, et je vous reprends tout de suite. À tout de suite, les amis. Bon, alors, les gens, je vous reprends, parce que du coup, je suis allé essayer de trouver un flotus sur l'île. Sur il est ensoleillé et je sais pas si vous avez vu, mais alors déjà, mais c'est bon, oui, il y a un établi des comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, donc je suis sur un îlot des explorateurs, il y a un j'ai oublié. Une construction des bâtisseurs, voilà, ici. Donc du coup, on y est, voilà. Chef d'œuvre des bâtisseurs. Et donc voilà, je cherchais le flotus, je viens de l'avoir. En fait, le quai est là-bas. Voilà, et les flotus, c'est ces trucs-là, en fait, voilà. C'est les trucs qu'il y a ici que je cherche, c'est ces choses-là que je viens de casser. Bon, et vu qu'il y a des constructions des bâtisseurs, vous savez, bon bah voilà, normalement... On les cherche, les chefs-d'œuvre des bâtisseurs, mais là je suis tombé dessus, donc je vous le fais en vidéo. On fera des lives pour les trouver, vous en faites pas. Profitez bien de votre séjour parmi nous, d'accord. Ok, bon, bah, maison très charmante. Bonjour. Est-ce qu'il y a des... Non, une porte de... Ok, d'accord. Qu'y a-t-il ici? Oh, ok. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, d'accord. Bon bah écoutez, c'est très joli. Là on appuie ça. D'accord, bah c'est très joli, magnifique. Oh oh, une porte. Qu'y a-t-il ici? Minuscule salle avec rien dedans. Pas de panneau, rien. Ok. Donc nous on va. Qu'est-ce qu'il fait dans l'arbre? Ok. Bon alors le monstre surpuissant il est là, mais on s'en balance. Nous on veut pas voir le monstre surpuissant. On veut les bananes et surtout le flotus. Alors, où est-ce qu'on va trouver le flotus? Eh bien, je pensais le trouver là. Sauf qu'apparemment, il n'y est pas. Donc, il n'y a pas de flotus. Donc, on va aller chercher plus loin, voir s'il y en a un. Mais voilà, vu que j'ai trouvé le chef-d'œuvre des bêtes-sœurs, bah voilà, au lieu de ne pas aller le voir et de le trouver dans un prochain épisode... Bon bah vu qu'on est là où on en est, voilà, j'ai préféré vous le montrer. Hein, plutôt que de le garder pour un prochain épisode. Parce que 1, ça fait du contenu. Et 2, bah, ça rallonge la durée de l'épisode au cas où il serait trop court. Hein. Puis au moins ça vous permet aussi de. Voilà, de chercher avec moi. Ça se trouve, le flotus il est même pas là. Il n'y en a pas. Mais on va chercher quand même. Moi je suis sûr que le sac à trésor il est pas là déjà. Alors. Ici, on a toujours un ventilotus. On va... Alors, ça, c'est un buisson médicinal. Le ventilotus. Ça, c'est quoi, ça? C'est des herbes. Alors, peut-être que... Les fleurs que je cherche... Je sais pas s'il y en a au charbon. Ça se trouve, je les trouve juste au charbon. Bon, écoutez, pour trouver la plante, hein, je vais vous refaire une ellipse. Et on se retrouve après, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. A tout de suite, les amis. Ok, re, les amis. Alors, je suis en route maintenant sur l'île de la souillure. Alors, le flotus, si vous le cherchez, il se trouve auprès des sagoutiers, donc sur l'atoll de corail, du coup. Donc, si vous le cherchez, il se trouve là-bas. C'est là-bas que je l'ai trouvé. Et là, il me manque le... pestilentiel, pestilentiel, hein, comme vous voulez. Alors, le pestilentiel, c'est une fleur qu'on trouve sur l'île de la souillure. Lotus à table de corail et pestilentiel sur l'île de la souillure.
Alors du coup, si vous le cherchez déjà, il faut s'approcher d'un comment ça s'appelle? D'un lac de poison. Alors attendez. Pourquoi je vous ai repris ici aussi? Parce que aïe, il faut que je tue le chaoseux. Bon, tant pis. Pour essayer de drop l'épée de foudre. Voilà, vous savez. Sauf que du coup, voilà. Ah voilà. Donc l'épée, la plante, pardon. La pistilentielle, en fait, pas la pistilentielle, la pistilentielle est juste ici. Voilà. Alors le casse ici. L'autre, c'est l'œuf des bâtisseurs. Je les ai déjà tous découverts sur les îles de la Sûre et les îles du Malala, là. Donc, du coup, il n'y a pas besoin que j'y retourne. Sur les chefs-d'œuvre des bâtisseurs, je les ai trouvés, donc je peux m'y TP directement. Voilà. Ce qui me permet parfois de trouver plus rapidement les monstres surpuissants pour avoir des drops. Mais passons. Du coup, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, le. Oui, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Donc du coup, on va pouvoir finir désert écarlate ce jardin tropical. Alors les flotus, j'en ai pris plus parce que voilà, et la pistilentielle, je pense que je n'aurais pas besoin. Donc le pistilentielle, on va le mettre ici avec les fleurs de paralysse, hein, parce que, et le flotus, on va le mettre ici. Et là, du coup, on a le jardin tropical, voilà, grand jardin tropical, parfait. On va Tu me donnes une idée, toi. On va mettre du coup des torches tout autour pour la luminosité. Voilà, ici c'est l'entrée, donc on met des torches en plus. Ici on va mettre une torche en plus. Ici aussi. Je crois que c'est pas en face, mais c'est pas grave, on en met une. Ici. Ok, donc ensuite il me faut un jardin de rocaille. Voilà, le jardin de rocaille. Alors pourquoi je fais les jardins ici avec l'entrée ici? Parce que ici au moins vous prenez pas la tête sur les rails, même si voilà. Et tout simplement aussi, il est tout petit. Je sais pas. Oh, est-ce que je leur ai mis les. Je crois que j'ai pas fait. Neko et. Et White. Ah, j'ai pas changé. En fait, Neko et White, ils sont sur d'autres îles et je devais changer l'attribution des salles pour du coup Miaou et Tigrou. Et du coup, bah, ils ont pas Tigrou. J'ai marqué Tigrou, pas Tigrou. Bah, au moins, il sera gros. Voilà. Ok. Du coup, le ventilo, je devais en remettre un par là. On le met là. Médical ici, hop, une feuille médicale, merci. Bien, le jardin de rocaille, du coup je vais le mettre bah, ici aussi parce que c'est encore un jardin. Merde, hop là. Donc dans le jardin de rocaille il me faut un banc. Il me semble que un banc, j'en ai un. Je suis sûr de cette information. J'ai un banc. Ok, déjà j'ai le banc. On va ranger tout ça. Ensuite, il me faut trois rochers. Heureusement que j'ai gardé des rocailles normalement. Alors, les rochers, où sont les rochers? Ah, j'ai jeté les rochers. Ah, quel abruti! J'ai fait de la place dans mon inventaire. J'avais jeté les rochers parce que je pensais que ça allait pas m'être utile. Bah, du coup. Ça pourrait être très compliqué à trouver les rochers. Hein. Ah, ça c'est des graviers. Il me faut des rochers. J'ai besoin de combien de graviers? 5 graviers, ça tombe bien. Alors, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai 5 graviers et maintenant il me faut les rochers. Et si je trouve pas les rochers, j'ai une manière très simple de les trouver de toute façon. Ça va pas être bien compliqué. On va faire la manière très simple. Que je ne peux pas faire parce que j'ai pas ce qu'il faut. Apparemment. Donc on va prendre les rochers comme ça. Un. Ça c'est un rocher. Rocher, voilà. Bonjour. C'est rare de voir ici.
Un rocher, deux rochers. Normalement, il y a un troisième rocher par ici. Troisième rocher. Rocher, rocher. Il n'y a pas de rocher là. MDR, il n'y a même pas de rocher. Je suis scotché, je suis scandalisé. Je suis scandalisé. Il n'y a pas de rocher. Attendez, c'est une blague. Je cherche un vulgaire rocher, il n'y en a pas. C'est le truc que tu ne cherches jamais. Et bizarrement, quand tu en veux, il n'y en a pas. Ouais, enfin, il n'y en a pas. Tout à l'heure, je les ai quand même explosés au marteau normal. Alors que je ne savais pas après que j'en allais en avoir besoin. Bon, bah du coup, on va faire un truc, hein, tout simplement. On va aller au jardin verdoyard. Hein, bien évidemment. Le train, il n'est pas là, je suppose. Non, bon. Où on va aller ici. Faudrait que je refasse cette avenue là. Peut-être faire descendre l'eau. Mais en tout cas, ça on s'en fout. Ce qu'il me faut aujourd'hui, c'est un rochard. Alors, ça c'est fait. Il me faut un tas de cailloux et deux dalles en pierre. Un tas de cailloux. Cailloux. Moi, il me faut des tas de cailloux. Pas vrai, ça. Comment on fait pour avoir des tas de cailloux? Cailloux et gravier. Excusez-moi, j'aurais donné le nom inverse. Alors, des tas de cailloux, je pense savoir comment qu'on fait. Mais, il me faut du coup cette table-là, spécialement la souche d'arbre, parce que sinon, ça va être compliqué de le faire, je pense. Est-ce que c'est là que je peux faire des tas de cailloux? Cailloux, tas de cailloux. Voilà, il me faut oh ben voilà, de la pierre. Voilà, il me faut des... Comment ça s'appelle? Des dalles de pierre. Et je pense que c'est pas là que je peux faire des dalles de pierre. Des dalles de pierre, c'est pas là. Ni... Ok. Ok. Du coup, on va retourner au désert incarnate. Les dalles de pierre. Les dalles de. Si, les dalles de pierre. Attendez. Les dalles de pierre, je peux les faire là, non? Dalles. Des dalles de. Des dalles de pierre. Je crois que je peux les faire dans le. Alors, des dalles de pierre. Il semblait qu'il y en avait là, non? Bah alors. Ah, tout ce qu'il faut. Des dalles de... Je sais que j'ai vu des dalles de pierre. Mais c'est peut-être pas dans cet établi. Ce qui m'énerverait fortement. Voilà, dalle en pierre, voilà. En plus, c'est mal retranscrit parce que c'est écrit dalle de pierre sur leur site. Alors que c'est des dalles en pierre, et je rappelle, hein, c'est un site fait par des fans, pour les fans. Excusez-moi, mais la personne qui a écrit tout ça s'est trompée. Hein. Et si il vient me dire, oui, bah t'as qu'à le faire, bon, moi je le fais avec pour grand plaisir. Hein. Rectifier toutes ces erreurs, ça me fait pas plaisir, mais si c'est pour les fans... Je veux bien. Là, voilà. Alors, je vais faire juste un petit truc. Une petite lock. Des tuiles en terre cuite.
Pourquoi je fais des tuiles en terre cuite, vous allez vous demander. Et ben, c'est une très bonne question. Parce que, un, j'en ai besoin, et deux, parce que après, bah, au moins, ce sera bon. Je vais devoir en faire deux. Je vais faire une deuxième en terre cuite. Va pas trop loin, cher ami, j'ai encore besoin de toi. Ouais, ça je m'en fous, j'en mets un là, un là, un là, ok. Excuse-moi, merci. Je sais pas ce que t'es en train de faire, mais évite de chier au milieu de mon parc, s'il te plaît. Je me rendrai service, tu ne le fasses pas. Alors, du coup, il me faut un portillon déjà en bois. Et on va refaire des barrières. Mince. T'es chiant aussi toi hein. Mais il m'emmerde. Oh. T'as eu la meilleure idée qui est de m'emmerder toi hein. C'est pas possible. Bon. Du coup je dois mettre, on est à combien de temps? On est à 12, ok. Enfin, pas à 12, mais... Bref. On va mettre un rocher ici, un ici, un là. On va mettre la dédale à l'entrée. Le dédale de pierre. On a un tas de cailloux qui sera ici. Et les graviers, on va les mettre un peu par ici. Ensuite, il me faut un banc. Que j'ai mis ici. Et le banc, on va le mettre ici, là, il y a de la place, là. Voilà. Et là, normalement, on a le grand jardin de rocaille. Et les gens vont s'extasier de voir un jardin de rocaille. Ouais, un jardin de rocaille, c'est incroyable, voyons. Mais oui, c'est un jardin de rocaille incroyable, n'est-ce pas? Et oui, bravo, il a fait un jardin de rocaille, le petit. Il est impressionnant. Waouh. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse faire un jardin de rocaille. Oh là là, les gens, sérieusement. C'est très drôle de les voir venir, en fait, pour un jardin de rocaille. Alors, vu que du coup... Et donc, pardon. On a un peu de temps, du coup. Parce que il me reste je crois 4-5 minutes. Parce que on avait quoi, 14 et 14 ça fait 28. On va faire quelque chose d'incroyable. On fait de manière générale. Mais ne vous en faites pas. On va arrêter les petits jardins pour aujourd'hui. On va aller au quai. Et j'ai eu une idée de génie. Qui est de prendre Atroce. Avec nous. Et est-ce qu'on ne prend que Atroce? On prend Babs aussi. Avec nous. Et l'idée avec ces deux-là, c'est que on va aller sur l'île de la souillure. Parce que il y a des persos comme Atroce et Kipop. Et ces persos qui sont comme Atroce et Kipop, et ben devinez quoi, et ben ils nous donnent une lame de foudre normalement. Et je me demande si avec Atroce, on n'aura pas plus de chance déjà un d'en croiser et deux d'en tuer. Parce que comprenez bien que c'est chiant déjà de les trouver. Et de les tuer, c'est tout aussi chiant. Je vais voir si Atroce, s'il donne le dernier coup, je peux avoir la lame foudre. Je me dis que c'est peut-être comme ça qu'on peut l'obtenir. A voir, à voir, à voir. Il faut juste que je ferme un truc tout
toute façon, vous, ça va pas vous impacter. Vous avez juste pas le son pour l'instant. C'est pas très grave. Allez, c'est parti. Donc du coup, ils vont me suivre. Babs, tu as changé de vêtement. Je n'aime pas cette tunique d'ailleurs. Oh! Allez, tapez-le. Bon bah entre rien et rien. Bon bah ça me permet de vider mon inventaire du coup. Alors qu'est-ce que je voulais jeter? Des trucs qui me servent plus dont je me servirai pas. Il est où? Alors ça j'en ai rien à faire. Ça j'en ai rien à faire. Et ça j'en ai rien à faire aussi. Ça donc, bon. Merci quand même, on va aller se promener et je pense pas qu'on trouve un deuxième atroce. Honnêtement, je pense pas. Trouver. Non, bon bah écoutez, pour l'instant il n'y en a pas. De toute façon il est très rare hein, son pop, son taux de pop. Je pense que d'avoir un trace avec nous, ça change pas l'apparition du soldat qu'on cherche. En plus, on pourrait le confondre. Tu veux pas me donner la lame foot, tu me dis quoi? Tout va bien. Ah oui, tout va bien. Oui. Je pense que Babs me dit la même chose. Toujours. Ah, vu qu'on est en explo. Bon, bah, on va rentrer. Hein, tant pis. J'ai fait une de ces lignes droites. On retourne, ok. Et on se rentre. Tant pis, j'aurais essayé. Si vous avez des astuces pour avoir la lame foudre plus facilement. Donc par exemple, s'il faut utiliser la lame de feu, s'il faut utiliser la lame de l'horreur, parce que ce sont des épées magiques, et que la lame foudre en est une aussi, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous savez comment la drop autrement qu'en la dropant sur ces squelettes là, je rappelle que je peux plus aller dans le Malala au cas où. Bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Et je suis dedans. Bon, et il faut que je range ces coffres encore, mais c'est pas possible. Bon, il y a des choses qu'il faudra que je jette. Hein. Feuille médicinale. Déjà ça, c'est pas rangé correctement. Il y a des trucs là-dedans dont j'ai pas besoin. En fait, il y a des trucs qui sont rangés partout. Des... Un palmier. Pourquoi j'ai un grand palmier? Faudra que je range ça d'ailleurs. Pourquoi il y a des graines de citron? Ouais, bon, bah faudra que je change tout ça. Je pense que ça, il faut que je le range. Oui. Comment et quand je vais le ranger, j'en ai aucune. Putain, et c'est. Bref, sur ce, on s'arrête là, les amis. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à partager, à activer la petite cloche pour que aucune des nouvelles notifications de vidéos, à commenter. Ça me ferait super plaisir déjà. J'ai rien oublié, je crois que j'ai rien oublié. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Payon 2000, portez-vous bien et à très vite tout le monde.